même si on a une note qui est sortie qui dit c'est le contraire. D'ailleurs, pas de note qui sortit pour dire ça. Et bien, ou pas de quoi, pas de note pour qui sortit. Pour dire ça, ou un avocat. On fait avocat, elle parle. Avocat signe, elle parle pour dire ce n'est pas vrai. Mais en fait, ou prend une note en signe, et pourquoi ça n'est pas problème de notre plame, c'est que l'argent n'est pas capable pour le ministre, l'argent pour le ministre a bâillé des nègres qui ont ramené illégalement l'argent. Donc, dès qu'on faut voir, quitter les nègres, ça n'a pas OK? Pour voir son pouvoir gangster, un pouvoir bandit. Maintenant, on me dit, ici, m'a dit, je venais le dictateur le 7 février 2022. Et puis, je ne sais pas, je ne ça. Alors, les 8 gars. Le? Alors, le 8. Oui, dans la logique, ou le 8. Le 8, ça veut dire 7 février 2022, depuis pas aller, le lendemain matin, me dit dictateur. Maintenant, qu'on a un certain monde qui dit, c'est dictateur, les députés, qu'on a respecté ça. Mais moi, je me dis, pour ne recevoir cop dans les gangs, si on bon poste pour gérer gang, donc où sont gangsters tout, donc pour voir qu'on est pour Salbaou, où sont bandits. Donc aujourd'hui je confirme que les directeurs généraux et deux ministres sont des bandits. Donc si je viens le témoin toujours, donc je vais protéger les bandits par ricochet, et monsieur Balotba est un bandit tout. D'ailleurs, je demande la révocation de ces personnalités. De pouvoir confirmer, mais pour ça, ça on confirme déjà. Mais pour le ministre, il faut confirmer si M. reçoit l'argent. Depuis que M. reçoit l'argent, mais moi, je viens de ces deux hommes bêtis, juste à ce que soit organisée l'élection, ou un toujours objectif, ou bien là. Oui? Donc, parce que nous n'avons pas qu'à prendre ça. Je dis, nous n'avons pas qu'à prendre ça. Nous n'avons aucun. Ok? Donc, je vais tenir sur ça, mais invitez-moi, il faut me parler avec elle, et invitez de Marc. Parce que quand il va y aller, parce que. Oui, après, les divisions, tout. Dans l'opposition, regardez pour moi si Yuri, la torture réglé ça. Yuri, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir Val, bonsoir De Gaulle, tout opérateur, puisque c'est un gros studio qui est là, côté que nous faisons radio et télévision. Nous saluons Kampa et Marco qui va présent. Oui. Et nombreux auditeurs, auditrices qui suivent l'émission ça, non seulement à travers la radio, à Oulé, dans l'Antibonite, côté. Et puis à travers les réseaux sociaux, puisque moi, ouais, système qui l'a depuis avant l'émission, mon avez été abouché. Oui, d'accord. Oui, vous êtes content, monsieur. On n'a pas le fort de parler. Regardez, bon, bah, vous dites là, tout à l'heure, vous dites 200 combien de monde gâte en position. Non, il est à monter. Président a parlé 120 monde qui l'a suivi. Président? Oui. Non, vous dites, gars, mais je ne vais pas parler de l'économie. Non, alors. Nous devons voir l'exemple de Jovenel Moïse qui a parlé et qui a 120 personnes seulement. Oui, mais nous devons faire. Alors, non. On peut parler et puis il y a plus, il y a deux fois plus. Qu'est-ce que je dis? Non, un constat. J'ai fait un constat. Ça veut dire, on dit qu'un populaire va ses monsieur. Bon, c'est un constat, Gary. On sait qu'on y a mal bonne opinion et on va le dire parce que c'est l'opposition. Les chiffres ne parlent pas. Les chiffres ne parlent pas. Et bien, ça te donne. Walter, dernier. À la fin du discours, oui, 120 personnes. 120 personnes. À la fin, il a dit que le roi le finit au départ, il était 100. Ainsi de suite. Bon, eh bien, nous, ça passe. J'ai un petit problème. Donc, ok, nous, alors, dis-nous. Nous allons faire un résumé de documents que nous avons présenté là. Et puis, pour quelle raison nous travaillons sur le document ça aujourd'hui, c'est-à-dire présentation du document d'abord avant de passer dans la séance de questions, etc. Pour nous bien comprendre. Très bien, Gary. Et au niveau de l'opposition, il faut toujours reconnaître force non et faiblesse non. 2018-2019, la force de l'opposition, pas grand monde qui était à contester ça, c'était dans la mobilisation populaire. Mais la faiblesse, c'était le rassemblement de l'opposition pour que nous joignions en entente pour sous ça nous gué pour nous faire. Dans l'opposition, il y avait toujours l'entente sur deux choses, le départ de Jovenel et une transition, ça a été les deux ruptures, côté que c'est sous deux bases on nous entend. Mais dans pile point, nous pas arrivé en entente. L'entente que nous avons trouvée à Mayotte, qui était l'accord de Mayotte, son entente, dès que je suis venu signer, il y avait encore des dénonciations. Et cette entente était contestée non seulement à travers l'opposition, mais aussi par l'international qui nous jugeait de façon radicale et dit que le papier n'était pas en accord avec la Constitution. Okay.
Mais nous avons résisté. Et nous te dit, depuis avril, qu'il fallait rassembler une majorité de l'opposition pour avoir vraiment une proposition qui empile groupe des Cassiens. Et ce que nous avons fait, nous prenons accord de Mariotte, il y a les fondamentaux que nous conservons, et nous prenons l'esprit de l'article 149 de la Constitution pour que nous montions le document. Et le document, ça a gagné deux grandes parties. Premièrement, le respect de la date du 7 février 2021, puisque nous dit il n'y a aucune cohabitation avec Jovenel, et Jovenel doit partir, puisque c'est la fin de son mandat. Ça, c'est un. Deuxième chose, nous dit un premier ministre choisi par une commission de 7 membres, de 4 de la classe politique, de 3 de la société civile, qui doit choisir un premier ministre, qui aura joué le double rôle de premier ministre et de président de la République, selon l'esprit de l'article 59 qui dit, lorsqu'un président est empêché, le premier ministre peut jouer le rôle de chef de gouvernement et en même temps de président du Conseil des ministres. Mm-hmm. Donc on est le chef du Conseil des ministres, c'est le président. Mm-hmm. Donc, nous inspirons de l'article ça pour nous monter un premier ministre choisi par... L'article 59. Par la société, c'est-à-dire de 4 de la classe politique et de 3 de la société civile. Et quelle est la mission de ce gouvernement d'entente nationale? C'est, premièrement, les fondamentaux que l'opposition était toujours abdi depuis 2018-2019. C'est réaliser la conférence nationale, seulement nous dit pendant 3 mois. Et dans la conférence nationale, le sujet principal à débattre, c'est le changement constitutionnel, hein, pour avoir un texte final que nous cajons en consensus sous lit. La deuxième chose, l'organisation des procès Petro-Caribé, Bel Air, les crimes de sang et les crimes financiers. Troisième chose, nous dit la question de l'organisation des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Et pour organiser ces élections, il faut 4 choses. Il faut un nouveau conseil électoral provisoire, mais vraiment indépendant, choisi selon l'esprit de l'article 249 de la Constitution et de la loi du décret électoral en vigueur de 2015, et c'est-à-dire avec 9 organisations de la société civile. Ça, c'est un nouveau conseil électoral. Nous dit un audit de la carte des malades, parce que nous connaissons un pile problème là-dedans. Donc, il faut faire un audit pour voir justement les problèmes et les corriger. Ça fait 2. Ça veut dire pas venir dans le 4. Justement, c'est l'audit qui va nous dire. La question de la sécurité, nous voyons sa sécurité à y est là. Il faut un minimum de sécurité si vous voulez arriver à l'élection. Et 4e chose, la réalisation des élections générales. Donc, nous partis des fondamentaux de l'accord de Mariotte et nous proposer justement un gouvernement d'après l'article 149. Pourquoi? Parce que nous croyons que il y a un discours qui s'est dégagé sur l'opposition. Et l'opposition doit comprendre. Et moi-même, quelquefois, en dans discours ça, moi qu'on voit, justement, il y a des problèmes qui posaient vraiment. Lorsqu'on dit que l'opposition veut réaliser justement une transition pour que des nègres qui ont légitimité pour pouvoir. Je ne suis pas tellement trop à l'aise à ça. Écoutez, je suis à l'intérieur, je ne vais pas critiquer, mais je préfère que justement des mounes impartiales. Si on parle d'organiser l'élection, c'est des mounes impartiales qui organisent l'élection. Mm-hmm. Même je me dis, je ne venais pas qu'à organiser l'élection, je ne vais pas qu'à l'opposition organiser l'élection. Vous dites, c'est tel pour prendre l'opposition pour diriger. Je suis très mal à l'aise avec ça. Si je parle d'élection, que mon mounes impartiales qui fait le signe, je me perds. Donc, moi, je pensais qu'il fallait corriger certaines choses. La deuxième chose, c'est que l'homme au monde illégitime, l'homme au monde qui est au pouvoir là, bon discours qui dit que monsieur ça a obtenu un vieux pour faire comme. M'a dit que nèg opposition qui arrive fait comme, mais si vraiment on arrive dans la transition, qui a des dérives. Et dans ce sens, moi préférer que nèg opposition non transition, il range école pour l'année élection. Et que l'y pas rentrer pour que l'y servi avec gouvernement pour le prendre pouvoir. Je suis plus à l'aise dans la situation que je connais avec discours électoral, oui, avec ça moi-même, moi été construit pendant temps, moi parle non élection. Donc, il fallait corriger certaines choses. Et moi, je pense que je dis à la dernière chose, nous avons dit à l'opposition, attention monsieur,
nous constituer cette classe politique. Il y a des choses que vous reprochez nous par rapport aux transitions. Non seulement qu'il faut corriger, mais il faut faire quelque chose de positif. Il faut se rassembler au niveau de l'opposition. Avec ce discours, moi je dis rénovateur, pour que, au lieu de nous, que nous allons à l'élection avec 10 ou 12 candidats, que nous rassembler autour d'un ou deux candidats pour avec notre discours primaire. Et que on fait primaire pour que dans l'élection et que nous portons discours ça de réformes que nous besoin faire, réformes en profondeur économique, politique et sociale, et que nous gagnons élection de façon légitime. D'accord. Et là ça a, nous parler comme classe politique que plateforme ça a, pour nous appliquer ça nous te dit que justement je venais pas à faire. Est-ce que document ça c'est l'ingouage présenté et là non encore tout bien. Alors ce document qui sortit là, justement avec toutes les fondamentaux, son document a préparé depuis avril. Alors, Jodia, OEA a venu, l'idée d'un bon temps, que nous pas parer, que nous pas paraître en bande dispersée, que nous paraître en ordre serré. Et il est mieux que par rapport à nous, l'OEA, qui déjà a un discours, côté qu'a dit, qui appuyait l'exécutif là, par rapport au monde qui déjà a une idée préconçue. Parce que l'opposition n'a pas de lobbyiste au sein de l'OEA. Nous n'avons pas de monde qui a parlé pour nous. De manière formelle. De manière formelle. C'est lettre n'a pas écrit. Donc aujourd'hui, si que nous avons un monde qui a venu, il faut que premièrement nous avons un discours, nous avons un document, et nous gagnons justement des preuves de ça que nous avons dit. Par exemple, Gary, l'OEA a venu. La charte de l'OEA dit. L'OEA doit se. Il y a une subordination constitutionnelle que les membres de l'OEA doivent faire par rapport à la Constitution nationale. Maintenant. C'est le chat de l'OEA dit ça. Le chat de l'OEA, à l'article 4. Maintenant, je vais rencontrer l'OEA et dire à l'OEA, écoutez, vous avez deux articles dans la Constitution qui empêchent le référendum. 284.3 qui dit aucun référendum n'est admis. Deuxième qui dit 150, le président n'a pas plus de pouvoir que celui confié à la Constitution. Moi, mandé Mounsayo, conformé yo, puisque la charte de l'OEA mandé justement cette subordination constitutionnelle. Donc, moi, pour regarder le danger, pour dire vérité légale là, d'ailleurs, Gary. Depuis 2018, qu'avait dit l'opposition? L'opposition dans sa majorité. Nous ne pouvons pas parler à Jovenel, mais nous ne pouvons pas parler à patron Jovenel, qui c'est blanc. Maintenant, nous n'avons pas de possibilité de faire de grandes délégations pour parler à tout le monde, à patron tout. Qui c'est? Nous n'avons pas de patron. Non, pas du tout. Le peuple, c'est notre patron. Non, Jovenel Abdinema est là. Non, nous reconnaissons la communauté internationale comme une force incontournable. Comme l'a dit Renaud Bernard. Mais est-ce que courir le président, est-ce que courir le président, c'est la communauté internationale qui patron? Mal de la vie. Là, si on est arrivé président d'Haïti, et que lui pensait que c'est un îlot isolé, il n'y a pas pour le dire la communauté internationale, il va être clémenti. Mais moi, penser qu'on est qui arrive président d'Haïti, géopolitiquement ou non zone, côté que tu peux favoriser la coopération sud-sud et la coopération nord-sud, mais simplement avec en tête un programme et te dire que l'aide que nous allons recevoir, c'est pour nous aider à sortir de l'aide. C'est ça, oui. Mais ça, mais d'où nous ne pas considérer son patron. Oui, pour qui ça, nous-mêmes, pour nous considérer président des patrons et puis nous-mêmes, nous avons besoin d'un patron. Pourquoi me considérer que président un patron? Parce que j'ai vu le président. J'ai vu. Est-ce que Martelly avait le même patron? Le blanc? Oui, alors je te dis pour Jovenel maintenant. Non, pour Martelly. Le même patron? Et le Simaniga? Le Simaniga, c'était un petit peu. L'été pour une sortie de piste. Parce que leur entrée, il a ouvert coopération sud-sud avec Venezuela. Il a montré américain que je dis à ma palavre, mais les yeux dans les yeux. Et c'est ça qui favorisait coup d'État 19 juillet. Mais c'est Aristide qui. Tout le monde pensait pas de blanc comme patron. Non. L'accord de Paris. L'accord de Paris montrait que, justement, il y avait une faille du côté du président Aristide, parce qu'il ne devrait jamais accepter l'accord de Paris. L'accord économique. Ah oui, qui te permet que, justement, nous vivions. Donc, les chefs d'État doivent toujours des patrons, si vous êtes président, et même là, oui, mais on peut faire ça différemment. On peut faire ça différemment. Et comment? Parce que, Mbaldo, j'ai vu Jovenel Moïse, président, aller au Venezuela. Il était dans des pour Malavel. Pour aller défendre les 80 millions de dollars de l'accord bipartite Haïti-Venezuela, c'est le même. J'ai vu ce président aller au Venezuela et reconnaître Maduro.
Mais j'ai vu ce même président à travers l'OEA demander justement pour ne pas reconnaître le président. Tu, est-ce et que tu as fait autrement? Non, on a fait autrement. On a voté abstention. On a expliqué aux États-Unis que par rapport. Même si on est forcé. Ah oui, même si on était forcé. D'ailleurs, c'est si on était forcé comme on a expliqué. Sinon, j'aurais voté pour. Mais comme j'ai des alliés. Ou pas penser s'il te fait abstention, ou t'as des possibilités pour voter? Non. Dans l'opposition? Il y a deux choses pour qu'on égare. Le président, il faut toujours maintenir la tâche populaire. Qu'on attache pour gagner la population. Même soit tombé. Oui, qu'on attache pour Québec. Jovenel, l'a monté, Gary, en 2017. M'dédo, les principaux leaders de l'opposition, comme président du Sénat, m'dé fait rencontrer avec eux. M'dé fait rencontrer à tout. Et m'dé dit, Jovenel, que pour se maintenir au pouvoir, il faut que nous ayons contact permanent avec ces éléments qui sont, on était dit, très dangereux parce qu'ils ont une capacité de mobilisation. Même notre ami de Port de Paix. Et Beauplan. Beauplan. Et là, je venais de finir rencontrer avec eux et puis je dis que ils peuvent faire suivi. Donc, moi, parce que maintenir le contact avec justement les grandes puissances pour nous faire comprendre la position d'Haïti et maintenir un contact avec les leaders populaires de l'opposition, c'est deux barrières qu'un président doit faire. Et si le président n'a pas fait, la retrouver esclave d'une grande puissance. Ok, d'accord, on est tout de suite, ça m'a bien. Et c'est un maintenant, mais ça me besoin. Je m'a posé des questions spécifiques. Qui même qui signe un document ça? Qui entité qui signe? Ok. Les entités signataires originaires, c'est la Diopod. Diopod a qu'est-ce qu'il y a dedans? Qui gagne 8 partis politiques là-dedans. Entre autres, oui. La Fusion. Fusion. L'OPL. Uh-huh. Ok. L'Unité. Unité. Unité. Unifos. Unifos. Unifos de Paul-Denis. Hein? Et puis VEO. Ok. AA. Hein? Et AA. Mokrina. 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 Et puis, tu as. Diopod, pardon. MTV, c'est okay. Original. Tu as MTV original. Et puis qui est ça? Ou gagne en avant de Jerry Dardieu. En avant de Jerry Dardieu. De Jerry Dardieu. Ou gagne Tête Ensemble. Tête Ensemble. De Manès et de Beauplan. Ah, Tête Ensemble, Beauplan. Hein? Beauplan dans tout. Oui. Beauplan, Manès. Et autres. Et puis, ou gagne Steven Benoît. Steven, oui. Hein, Steven ouais. Benoît de. Notre en avant. Oui. 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 Ok. Attends. Ok, pardon. Attends. On connaît FND tout. Est-ce que vous oui, FND avec Aoudon et Saint-Jean. Aoudon. Alors, ça, ce sont les signataires originels. Il y a d'autres. D'autres. Ben Nenel et André Michel. Écoutez, Nenel et André Michel, c'est deux alliés. Deux alliés. D'ailleurs, j'ai fait l'opposition avec Nenel et André Michel. J'ai été bien accueilli dans l'opposition. Oui. Lors de. Puisqu'ils avaient commencé bien avant. C'est ça. Écoute, nous, c'est des démocrates. Il se peut qu'il y ait des discordances au niveau de l'opposition. Un tout petit puisque... mot. Un petit mot. Je ne vais pas accepter discordance avec pour André Michel, avec Nenel Kassi, deux nègres qui considèrent comme de faire de lance de mouvement de l'opposition. Hein? Et puis, qu'on y a. On est quand dit Michel, qui pourra jamais entrer dans le pouvoir du tout, qui va toute ville dans la mobilisation dans la rue, qui a plagué prisonniers, etc., pour nous joindre si un document que nous avons une décision nationale. Je suis, on t'a compris pour Nenel Kassi, qui était sénateur, qui était, etc., mais André Michel, pas signé là, ni adhérer là, parce que c'est une figure. C'est la figure la plus importante de la mobilisation anti-Jovenel. Ce ne sont pas, par exemple, Dieu n'y était pas parlementaire, les unités ont été faites entente avec Jovenel, les PL ont été manqués, ils mettaient Gadi Leblanc comme président avec Michel Martelly, PHTK, ou bon, Beauplan manquait Premier ministre, par contre, vous comprenez, Réginald Boulos, un ancien allié de Jovenel Moïse, etc. Ok? Écoutez. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on est en train de monter un document aussi important et puis la figure emblématique de cette opposition qui va être non, va être sans, va tout la et puis au gain divergence. Écoute, oui, explique-moi ça. Bamba Isiko et Gary,
la grande bataille du 18 novembre, là nous pouvons aller dans Vertière. Avec okay. Odile Non. Et pas le 19 novembre 1803. Ah, oh, ok, d'accord. Vous connaissez Dessalines, justement, pour arriver sur Vertière, tu as utilisé plusieurs routes d'accès. Mm-hmm. Mais l'objectif, c'était Vertière. Vertière. Il fallait prendre Vertière. Et il y a une route qui est allée où tu es qui capoie la mort. Nous allons au même objectif. Mais moi, je pense que l'opposition doit être stratégique. Je dis, il y a des groupes dans l'opposition. Ils sont très forts dans la mobilisation. C'est ça ou bien comme force et capacité. Capacité. Il y a des groupes qui ont moins de mobilisation qui ont dans la diplomatie. Diplomatie, ok. Et que si je dis, nous remarquons que pour nous arriver dans la route, je dis, il faut une diplomatie, il faut une mobilisation, moi-même, moi, le bagaille qui était cas, puis belle là, c'est que toute l'opposition était passée même jeune dans la même route. Ce serait l'idéal. Oui. Mais en attendant, que l'opposition est plurielle, moi, sincèrement, pas pour que moi, le nombre comme ça, ça me va expliquer mon ami Nenel. Ah oui. Ah oui. Vous dites ça. Ah oui. Ah, vous aussi. Ah oui, avant de se dire, Léo, moi, dis que, bon bagaille qu'a fait là, et ni Nenel, ni André, et que je dois leur parler. Parce que moi, pensez que, où ça, nous avons les fondamentaux, le départ du journal, nous avons la conférence nationale, nous avons la question des procès, et nous avons la réalisation des élections avec un conseil électoral crédible, l'audit de la carte. Moi, pensez que nous sommes dans la bonne direction. L'essentiel, nous devons nous parler puisque nous avons une stratégie commune. Nous voulons que vous n'êtes pas payé. Pour qui ça, vous parlez? Écoute, on va l'expliquer. Et SDP, il y a le secteur démocratique, il a une histoire. Oui. Là, il était commencé dans l'opposition, moi, je n'étais pas dans l'opposition. Il y a une histoire, il y a gagné des chemins que vous faites, il y a un discours que vous avez que vous respectez. Que je dis à moi-même qui était sorti de l'opposition institutionnelle, je n'avais pas le même discours. Mais on avait le même objectif. Nous travaillons pendant longtemps sur la mobilisation. La mobilisation mène nous à 95% de l'objectif là. Mais 5% de diplomatie nous va occuper là. Fait que nous pas arriver. Peuple là a souffri. Nous pensons que je vous dis, il faut maintenir la mobilisation, mais renforcer la diplomatie. Parce que je vous dis, si nous vivons dans une situation, nous pas garder propre et ouais nous, pour nous corriger. N'a pas mené le peuple là, et puis le peuple là, on l'a couru derrière nous, oui. Là, nous sommes des losers, oui. Et on est Michel avec nous, n'est-ce pas ça? Non, écoutez, il y a un droit, well, mais leur temps n'est pas peut-être pas mon temps. Il y a un bon temps. Est-ce que toi, tu as la mesure du temps? Oui, moi, je pense que nous n'avons pas le temps. Et que jeudi à l'heure, Mounsa a tombé, Matisse a tombé, il faut tout faire pour se débarrasser de Jovenel. Et moi, je pensais que je n'ai pas le temps pour me dire que je vais attendre au 7 février. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Même. Non, ce sont des gens tellement compréhensifs, ils comprennent, ils disent certains endroits qui ont problème, c'est pas des problèmes fondamentaux, c'est des problèmes de forme, ils ont un problème de stratégie par rapport à ça, ils ont aimé nous poser question ça plutôt dans l'autre moment, pas dans le moment ça, et je leur ai dit que je comprends, mais cependant, pour rassembler toute cette masse critique, pour arriver à ce point, moi, je vais continuer avec tout en tenant compte de ce que vous auriez à dire au cours du chemin. Et si je vous dis que le blanc apprécie cette démarche de l'opposition parce que Nenel et Maître André Michel sont considérés par des étrangers comme trop extrémistes et que ce comportement a été interprété comme on avait dit un coup donné à ces deux parce que Blandil pas voulait n'exercer ses missions donc mais qui pivot derrière mettait ensemble pour chercher meilleure stratégie de pour faciliter composition et entente avec l'international. Écoutez, moi le blanc n'a pas à juger de ce que le monde savait doit faire pour payer ou pas payer ou moi t'as pour que monsieur Sao y arrive au extrémiste si on t'a allé dans ZAM y t'a le défendre et même le monde qui t'a pris ZAM là malgré pour me juger dépendant de gens qui ont payé. L'essentiel, nous-mêmes, nous dit que nous sommes des démocrates. Je crois que ce sont des gens qui sont animés par cette volonté de changer et volonté, ça a bon gens qui ont exprimé et de respecter les positions. Moi-même, moi, c'est un patriote animé par volonté de changer. Moi, je pensais que gagner une route qui m'amène beaucoup plus
par rapport à l'expérience que je fais, moi choisi même respecter position. Bon, parce qu'il faut, il faut dire quelque chose, Gary. Cette mobilisation qui était faite, qui était rassemblée tout le monde, yo, eh bien, ces gens-là, c'est eux qui étaient menés au départ. Oui, c'est et nous aurons toujours. Et comme le président Nicolas Geffroy, il était élu le Gonaïve en 1850, il a dit c'est là où il était élu, monsieur le président. Monsieur dit j'aurai souvenance de la zone, j'aurai toujours souvenance de cette mobilisation qui était faite. Et que monsieur était mené pendant longtemps justement pour évacuer ce système. Ok, maintenant, est-ce que dans le document ça, cette mamion, est-ce que premièrement, nous-mêmes, nous pas choisir un premier ministre, cap sorti en d'un parti politique ça yo? Non. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous prenez Yuri comme premier ministre ou bien vous choisissez Edgar Leblanc comme premier ministre? Est-ce qu'il y a cette possibilité? Ok. Premièrement, moi-même, je ne pas parler du tout. Même si vous apprenez Yuri, vous ne pas la donne. D'accord. Mais Yuri, il a dit dans le document, il a mis des critères pour choisir mon nom. Qui ça vous dit comme critère? Des critères, malheureusement, que je pas mais. Je crois que le monde a choisi parmi justement la société civile. Société civile. Bien. Moi, pensé, alors la classe politique et la société civile. Ah, la classe politique et la société civile. Oui, moi-même, moi, pensé, il m'a souhaité son monde qui soit dans la société civile. C'est ma position. Parce que moi, pas. Mais c'est ça que tu as moi, tu as remet que le monde qui soit à l'impartial, puisqu'il va avoir des élections. Et pour une élection, il y a crédibilité, il faut que le gouvernement ne parle pas en bas. Donc, maintenant qu'on y a, je me pose une question. Je fais tout ça avant. Comment on a pu vivre ça là? Pour nous arriver à faire, moi, je pense qu'il y a la première étape, c'est que l'international commence déjà à comprendre ce qui a passé là. Parce que le monde ne va pas comprendre. Il y a une résolution de l'OEA du 17 mars 2021. Que dit la résolution? Par rapport à la résolution OEA de novembre 2020. Comment ça veut dire novembre 2020? Tête droite, nous avons remarqué le calendrier est soumis par le gouvernement haïtien. Référendum, élection, nous soutenons. D'après le rapport que le secrétaire général là, Alma Gote Baï. Maintenant, nous écrivons OEA. Nous voyons des mouvements dans OEA. Gagnant Sanders, ambassadeur Antigua, qui a relayé rapport pour dire non, nous ne comprenons pas ce qui passe à Haïti. Et le 17 mars, le Conseil permanent réalisé en résolution, quand il dit, il constate que la situation à Haïti n'est pas bon. Il rend compte que faut faire élection, mais la situation n'est pas bon. Et l'offre tête pour jouer le rôle de beaux offices. Gary, le 21 février 2004, mon délégation rurale qui était entrée à Haïti. C'était l'occasion de la dernière chance. Et là, il est entré. Il a été fait 2 jours à convaincre l'opposition qu'il fallait une cohabitation avec le président Haïti. L'opposition n'a jamais voulu. Et le 23 février, qui appelle au téléphone le général qui était ministre de la. Colin Powell, qui était ministre des Affaires étrangères, lui, l'opposition pour la pression. L'opposition dit non, ne pas avancer. Et le 29, le président Haïti est parti. Et puis après. Non, à l'après, c'est autre chose. Et puis après, ce qu'on a eu comme résultat. Écoutez. Qui nous dit aujourd'hui, mais, même comportement, pas de même résultat. Non, mais ce qu'on a eu comme résultat, je vais te dire, si on considère février 2004, ça que tu as gagné dans le pays, par rapport à l'élection qui devine faite en 2006, février 2004 avec le président Haïti n'annonçait pas des élections aussi crédibles qu'il l'a gagné en 2006. Donc, moi, pas qu'à dire que je dis, ah, le janvier-février arrivé, et que ce pouvoir qui t'a rassemblé toute bagaille qui va venir négocier, ce pouvoir allait réaliser des élections dans la campagne, et que nous avons toujours une crise après. Aujourd'hui, oui. Ça veut dire, vous comptez sur l'OEA pour arriver dans l'installation du nouveau gouvernement. Ça. Et c'est l'OEA, ou du moins, c'est la force de la mobilisation avec André Michel, est-ce que vous nous-mêmes? Deux choses. Moi, j'ai toujours dit, c'est la force de la mobilisation et la diplomatie. J'ai fait un rappel historique pour dire que cette mission de l'OEA, qui était venue pour te faire cohabitation, est sortie avec départ. Ça, c'est un. Mais la deuxième chose, Gary, un bagage qui est extrêmement important par rapport à la question OEA. Vous connaissez, en 2018,
au niveau de l'opposition alternative, nous avons adopté une position de principe. C'est ça qui menait Malouet Madakraf, c'est ça qui menait Malouet secrétaire d'État américain qui était venu, c'est ça qui menait écrit Congrès. Et qui fait que le Congrès avait adopté position. La position qu'on avait adoptée dans l'alternative n'a pas parlé à Jovenel, mais n'a parlé à Blanc qui faisait patron Jovenel. Tout reste dans cette liste. Alors refusez par l'Haïtien, parce que les gonds blancs patron depuis où? Accompagné de Magloire, et puis nous avons Jordani qui lui-même pour côté pas la fin manœuvre. Donc toute équipe l'a mobilisé. GPPC tout le temps à l'attaque, il y a suivre. Au moment où Corpin, s'il faut qu'il apporte une précision, il le ferait. Et Valéon est présent, Président Jean. Donc je vous dis, on va le faire en longue émission, puisque information qui a circulé concernant la nouvelle donnée par GPPC la dernière fois, concernant la question de démarche pour avoir un passeport pour l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Donc, côté que tu as remarqué Maryse Narcisse, ancienne candidate à la présidence pour Famille Lavalas, accompagnée de Premier ministre Petit Bouton Claude Joseph, qui au même temps fait des démarches. Côté que démarches ont été abouties en passeport diplomatique, option humanitaire, question soins de santé. Maintenant, à entendre le porte-parole de Famille Lavalas ce matin sur une station sœur, eh bien, il y a lieu. De faire des analyses par rapport à ce qu'il a raconté, à ce qu'il dit. Donc, ça certain, c'est que concernant la nouvelle donnée par GPPC, puisque tu as des démarches qui t'as faites pour question passeport, eh ben, l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco, hein, t'es malade. Maintenant, en fait, avant d'avancer, il y a plusieurs stations sœurs qui expliquaient question coronavirus. Il y a le nouveliste qui reprend l'information de Gary Pierre-Paul Charles, mais qui évolue là-dedans, qui t'a dit que il y a un coronavirus et très bientôt la guerre pour l'ennemi Cuba. Yon confrère Robinson Geffrard, lui-même t'a tweeté tout. Et Journal 4 heures, Liliane Pierre-Paul, lui-même lui expliquait que l'ancien prêtre Saint-Jean-Bosco, hein, avec question maladie coronavirus, hein, lui t'a bien tout pour le déplacer très bientôt. Maintenant, son porte-parole lui-même ce matin dit que ce n'est pas coronavirus, c'est hépatite que l'ancien père fait. Kounéan, en pile monde a posé question. Est-ce que l'ancien président Gekouna n'a pas accepté le Gekouna? Puisque comme d'habitude, Haïtien n'a pas tellement accepté que les bon maladie. Chikungunya devini choléra vini, donc personne n'a devait accepter, sida, etc. Donc est-ce que vous n'avez pas accepté que l'ancien prêtre Ligue un coronavirus, ou du moins, étant donné que gagné une image positive qui baille dans le pays, hein, UNIFA, Université Aristide, a produit un ensemble de médecins, est-ce que par rapport avec l'information ça qui baille, s'il montrait que le gain coronavirus, et comme de fait tu as parlé de médecins étrangers qui a baillé le soin, est-ce que ça t'avait dit, médecins n'a pas dans le pays d'Haïti, ou pas gagné assez de capacité pour prendre soin? Un ancien président sur un ensemble de questions. Autrement dit, si président pas gain coronavirus, est-ce que c'est l'ancienne candidate à la présidence, Maryse Narcisse, qui lui-même a utilisé une astuce pour, pas pour le jeune passeport, hein, parce qu'il a droit à un passeport diplomatique, mais étant donné qu'il y avait l'interdiction de départ depuis 2014, comme coronavirus, dans le contexte que nous avons aujourd'hui, il y a de élan, il y a de démarche qui a fait dans le monde là pour sauver le monde. Et donc, il a pensé que pour passer mais en vrai, parce que l'interdiction de départ, là, tu as une raison politique. Maintenant, pour mettre ça de côté, permettre que l'ancien prêtre là, je le passe pour plus facilement. Donc, il a parlé des questions de Corona. Donc, maintenant, je vous dis, hein, c'est quoi nouvelle là qui t'est balan, t'es bon jusqu'à présent. Maintenant, ça n'a pas essayé d'analyser. Est-ce que c'est peur ou peur dit qu'il fait coronavirus? Est-ce qu'un ancien président, un leader charismatique, tant que Jean-Bertrand Aristide, pas qu'à lui-même qu'un coronavirus? Donc, on a questionné. Donc, nous présentons ça. Et en fait, comme d'habitude, je ne suis pas seul dans la maison. Je dis bonsoir à mon frère aîné, Val de Saint-Michel. Bonsoir, Romain. Bonsoir, président Jean. Bonsoir, le GVBC, Capitaine D, technicien qui l'a. Qui permettent l'émission ça possible. Charles de Gaulle, Magloire,
Walter, et moi salue tout le monde qui a écouté, que ce soit dans la radio, que ce soit les gens qui en bas live là, qui ont interagi avec nous, les gens qui sont à l'étranger. Et nous l'après-midi pour nous toujours continuer à discuter. Donc, sur les questions qui ont rapport avec le problème pays et question problème sanitaire, le problème économique, insécurité et de toutes sortes, puisque nous pas seulement dans l'insécurité publique, nous avons plus de monde qui n'a pas beaucoup de sentiers de sécurité, c'est de l'insécurité alimentaire. Il y a des gens qui sont malades qui ne peuvent pas aller à l'hôpital. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'école puisque l'État n'a pas l'incapacité de garantir tout droit que les citoyens ont. Il y a des gens qui sont dans la situation côté que la ville n'a pas garanti alors que l'État. Li gagne obligation ça pour protéger vie, pour protéger les biens, pour protéger santé tout le monde qui la population. Moi même pas avoir ça en fait et chez ça m'a dit moi quoi que même Jésus-Christ si il a descendu sur terre, il est venu et sous forme de monde. S'il est homme. Donc, moi j'ai un doute, bah, moi j'ai un doute que si mon maladie, en fait, que lui-même, si pour le point, que le pape point. Et moi, je crois que maladie, c'est pareil que pour tout le monde, c'est une pandémie. Je ne sais pas pour qui ça, en fait. Si il y a un monde lui-même, l'état malade, tant que. Garité Ferli, j'ai une nouvelle là, au conditionnel. Et donc, bah ouais, si on est malade, il est obligé à cacher. Mais moi-même, il y a un aspect dans la question ça, moi, je voulais évoquer. Tout. L'aspect c'est que, il y a un confrère très connu dans le pays. Qui dit même tout, campagne Joseph, il faut faire remarquer ça. Il faut faire remarquer ça que dit font tweet. Et suivant l'information que porte-parole, famille Lavalas là, c'est valé. Et moi, je voulais parler de notre confrère, de Signal FM, de Guy Jean. Ouais. Et dans tout, monsieur, si je suis bonne, si je ne me trompe pas, et si je me trompe pas, et. Soit on dit ou bien et notre confrère Peggy et la cab et permettre que moi rectifier notre pizza information que porte-parole la Tebay Peggy il est dit en fait l'ancien président Jean-Bertrand Aristide supporte bien seul ça le connaît et président t'es con grippe. Tu dis bien, président, t'es con grippe. Évolution pour nous garder dans ça. C'est que, je dis, hein, c'est pas grippe là. C'est hépatite. Tu dis bien. Bon, évolution, la question. Moi-même, moi, pensais que, même plus tard, l'interrogatif, non, question pour ça. Parce que, il y a des gens qui disent pour qui ça a parlé des questions, ça toujours. Mais attention, il s'agit d'un ancien président de la République. Un président, un citoyen que l'État haïtien. Et il y a un ensemble d'obligations envers lui. Et c'est ça que fait hier, dans l'intervention de l'homme dit que moi, quoi. Et délivrer un passeport diplomatique pour des raisons humanitaires. Pour un ancien président qui était payé si famille lui-même lui estimait que pas assez de spécialistes
qui est capable de permettre qu'il joue un soin pour cas et pas là, ils sont obligations étatiques. Parce que l'État a une obligation pour protéger la vie, pour avoir une santé. Et je crois que vous avez fait pour n'importe quel citoyen. Parce que tout citoyen dans le pays, l'État doit ça. Donc maintenant, tant que vous avez posé la question, je crois que je dis, ça pour vous comprendre une campagne. Diffusion d'informations va faire que vous voulez la mort pour vous. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a du monde, par exemple, moi en photo côté que l'ancien président Jean-Bertrand Aristide et pantalon, chemise dit, en chemise blanche, en chemise blanche et puis colline en coule bien normal. Pour bon sécurité, mais moi tu en sécurité sans masque. Et est-ce que dans la photo, non seulement sans masque, mais gon mémo des travail qui écrit qui dit voilà, mes présidents, président normal, mais la marché, la, c'est dans le cadre de visite. D'abord. Maintenant, est-ce que dans l'état actuel des choses, est-ce qu'il y a un monde à sécurité, à prendre chance de pas mettre masque? C'est la première question. Vous comprenez? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une chance de pas mettre masque? Bon, en tout cas, je ne connais pas. Et donc, je dis à un ensemble de bagages, moi je pense ça, moi insister sur les diffusions d'informations, je ne sais pas que les vlés disent, ils veulent la mort pour moi. Justement, diffusion d'informations. Une information comme un personnage important qui gagne, écoutez, et en fait, qui peut-être pas goûter le bien, il y a information. PIA, lui, qu'on est comme allié. L'État de l'obligation, des obligations envers. Pour protéger le temps qu'il y a obligation de protéger vie moun pour bailler la santé, je pense que ce sont simples choses. Mais bon bagaille, si vous permettez, je vais vous finir ça, songez sur la dit, mais bon bagaille qui est certain. Si je dis ça pour tout le monde comprendre, et par déduction, je crois que si le porte-parole de famille Lavalas, Mater, son station sœur, Lydie, président, lui fait hépatite, même si. Avant l'été dit qu'il y a une grippe, pas aucun problème. Par le simple fait que la démarche qui t'a fait pour jouer un passeport, ça t'a dit que le médecin qui t'a suivi ancien président, peut-être que tu as une possibilité pour devenir grave. Et moi, je crois que vous faites ça, donc c'est dans le cadre de prévention. Ça accède, ancien président. Bon, Baron, est-ce que c'est Corona? Vous comprenez parce que peut-être que c'est une question Corona. Il y a caché peut-être. Baron, ça a droit. C'est pour une catégorie de mounier. Ça peut être. Il y a caché, en tout cas, ancien président. L'été malade, si l'enfant gonia, il m'a bien souhaité que l'enfant. Et l'été malade là, il semblerait que, car, les antigens voulaient dépasser le médecin. Qui en fait est là. Mais quand on pose une question fondamentale, je dis, je ne sais pas quoi monde qui diffuse une information, un problème, non? Je dis, c'est peut-être une question posée à la campagne, va permettre que je me prenne. Si c'était peut-être pour jouer un passeport ou bien pour lever l'interdiction de départ, que je ne sais pas quoi dire, c'est l'ancien candidat à la présidence qui dit. Mais en tout cas, question au monde ou évoqué. Si vous te dit c'est Corona, ancien président gagne pour qu'il y ait un passeport, donc ça c'est problème pas au monde. Ouais, c'est problème pas au monde. Et moi je crois que si dans des marchés, le monde qui t'a fait des marchés pour dire c'est hépatite, il te gagne pas quoi t'as dit que. C'est Covid-19. Alors, avec président, avant d'intervenir, il y a deux petites nuances. C'est que, premier bail pour Mundi, ou qu'a toujours dit, pas de bien à faire question passeport. Mais, qu'on y a posé cette question, qui ça, l'ancienne candidate, la Maryse Dassis, qui a accompagné Claude Joseph, qui ça a fait dans l'immigration? Ça fait première question. Deux, ça veut dire si pas de passeport, mais qui ça a fait dans l'immigration?
Deuxièmement, Val, si moun ki a dit que président pas bon, mais président pas malade même, pour qui ça a lié une petite grippe pour n'y aller venir en hépatite. Et en fait, toute information bail que président pas côté bien, il pas en forme. Sauf de moun qui t'a pris contre pied de information qui montre qu'il pas malade. Maintenant, parce que nuance, grand bail pour dire dans pays, est-ce que c'est parce que n'a pas un petit couloute et que un monde malade ou ancien président malade et puis personne va nous connaître ça gagne. Donc comme si toute bagarre fait en cachette. Et n'entends ça que n'y a pas oublié que technologie avancée. Donc on paquet d'informations qui a circulé. Maintenant, il y a deux petits balles en cachette, petits couloutes en catimini, qui pas de fait, mais tout le monde comprend que la question, ce n'est pas de tourner autour de si le président malade, s'il pas malade. Il n'y a toujours dit pas malade. Il n'y a pas malade, il n'y a pas dit malade. Il n'y a fait qu'on a, il n'y a pas dit qu'on a. C'est une question politique. Bonsoir, président Jean. Bon, bonsoir, campagne. Bonsoir, Val. On salue tout le monde. Qui branche l'émission Haïti Débat, qui là. Donc, moi, j'ai des débats, ça y est, mon petit Jean partout, je vais rentrer là-dedans, puisque souvent, je vais bien fondé et débat, puisque la grande question que tu as posé, c'est qui ça y est en termes de diffamation. Dans tout le monde qui baille information sous maladie, ancien président Jean-Bertrand Aristide, c'est qui est-ce qui va menti? Et c'est des monde qui va menti dans tout le monde qui parle. C'est le premier questionnement pour moun gen. Deuxième questionnement pour moun gen, est-ce que yo te fait un passeport pour ancien président Jean-Bertrand Aristide ou bien ou pas de fait? C'est deuxième question pour tout le monde poser. Troisième question peut-être pour tout le monde poser. Est-ce que ancien président Jean-Bertrand Aristide, tant que tout l'autre monde capable gain un passeport à disposition son ancien président li ka gon passeport diplomatique pas gain problème, mais est-ce que tout le monde tout pas connaît que te gain en interdiction de départ contre ancien président, donc te gain difficulté pour ta émettre un passeport diplomatique pour lui? Est-ce que tout le monde pas connaît ça? Maintenant, et problème moi gain ici, c'est que moun souvent fait tout les fait pas l'empile sous des bagages m'ta dit qui très clair, de fait même trop clair, que tout le monde comprenne. T'en as fait débat là, moi. Mal essayé, garder, comme si m'de fait la honte des médias, la honte des magazines, ou bien des journaux, et pour m'garder. Et puis, m'tombe sur quelques petits bagailles. Et, comme c'est Tweet Garia qui te saute en vent. Ouais. Et te premier bail qui te saute Tweet Garia. Et puis, m'cherche Tweet Garia avant. Et puis moi, dans tweet Gary Agaridi, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, en difficulté respiratoire, aurait contracté le coronavirus. Aurait. Gary pas dit a contracté. Parce que a contracté a l'étape indicatif. Aurait a li conditionnel. Donc ça veut dire Gary quoi monde qui te ba information en premier, Gary pas dit que président Jean-Bertrand Aristide gen coronavirus. Bon, et premier tweet là, ça dit que pour tout monde qui te besoin comprendre ça, donc on lit tweet là pour nous, on lit parti ça. L'ex-président Jean-Bertrand Aristide en difficulté respiratoire aurait contracté le coronavirus. Son passeport expiré. Et malgré une interdiction de départ depuis 2014, Jovenel Moïse a dû intervenir pour lui donner un passeport humanitaire en vue de sauver le leader Lavalas. Maintenant, ça a été Garia. Mm-hmm. Nous avons qui ça qui menti dans ça. Dans ça, dans tweet Garia là. Mm-hmm. Premier bagage, qui ça qui menti? Deuxième bagage, qui ça qui méchant la donne? Mm-hmm. Garia dit ancien président Aristide, bien difficulté pour respirer, monsieur ta le coronavirus. Il va dire le gain, non? Il dit le ta. Bon, à étude Garia. Et puis après ça, nous gardons pile le tweet. Nous gardons. Bon, qui était nouvelle ici en dernier. Nous gardons Vente Bœuf. Vente Bœuf dit
le leader de famille Lavala souffrirait de problèmes respiratoires. Mm-hmm. Souffrirait. Mm-hmm. Il va dire souffre. Mm-hmm. Et en pile, mon cap fait débat avec eux, ou supposé mon dit qu'on l'y oui. Il n'y a pas de tambour libre. Non, il n'y a non. Il n'y a pas de tambour libre. Moi, je vais m'expliquer pour vous. Le leader, ouais, 29 dit, l'état de santé de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide nécessite un processus de transfert vers un hôpital à l'étranger. Le leader de famille Lavala souffrirait de problèmes respiratoires. Vandef pas dit, Vandef pas parlé de coronavirus du tout. On va continuer. Gino 7. Ce dernier, la parole du président, doit laisser le pays sous peu pour des raisons de santé. Ça seulement. Et ça, Gino 7 dit. Nous allons Gino Augustin avec Gino 7. Et à l'heure, je dois saluer Vancol Ousnel, Cap Mene Vandef. C'est des journalistes professionnels. Bon, beaucoup de gens m'ont côté dit président Aristide bien qu'on a. Bon, prend le nouvel liste qu'on a. Le nouvel liste là, c'est peut-être lui-même en pile monde t'a pensé qui dit que président Aristide bien qu'on a. Mais il n'a pas dit ça. Le nouvel isla, l'elfine ba information que président Aristide testé positif. Parce que, ouais, il y a un média qui dit qu'il dit président Aristide du coronavirus et le nouvel isla. Parce que il dit président testé positif à la COVID-19. Mais l'air fini, paragraphe là, il dit c'est autorité gouvernementale qui dit ça. Mm-hmm. Et bien, je vais dire qui dit ça, non? Mm-hmm. Donc, ça veut dire que si le président Aristide a des coronavirus, d'après le nouveliste, c'est pas eux même nous qui dit ça. Mm-hmm. Bon, l'île pour nous attendre. L'ex-président Jean-Bertrand Aristide, 68 ans, positif à la COVID-19, doit quitter incessamment le pays pour se faire soigner à Cuba. Ou si il aurait été, on va dire le nouveliste qui dit ça. Bon, on reprend. L'ex-président Jean-Bertrand Aristide, 68 ans, positif à la COVID-19, doit quitter incessamment le pays pour se faire soigner à Cuba, a appris le nouveliste. Dimanche 20 juin 2021, de source gouvernementale. Ça, c'est Emmanuel Nouvelis qui dit ça. Donc, on a son monde qui l'a accusé. C'est peut-être le gouvernement pour t'accuser. Et puis, il y a un dernier média, moi, ouais, c'est HPN. Mm-hmm. HPN lui-même lui dit Jean-Bertrand Aristide a un coronavirus. Bon, c'est HPN qui dit ça lui-même. Mm-hmm. Ouais, HPN dit, monsieur gagne coronavirus. Mm-hmm. Moi, Alte Presse dit que, d'après un pile sous, président gagne coronavirus. Mais il était d'après un pile sous. Maintenant, pour moi, là, c'est que tout le monde est. Bon problème. Tout le monde est presque pas de monde qui dit, président Jean-Bertrand Aristide gagne coronavirus. Mm-hmm. Si il y a coronavirus, il faut qu'on teste. Qu'il te fait et test ça, il t'a rendu public, moun ta wel testé positif pour ta connaître fait corona. Ou bien, c'est moun qui n'entoure Jean-Bertrand Aristide ou bien lui-même qui te ka fait, les gens pilote moun qui gen corona fait, yo dit yo testé positif. Maintenant, bah wel kwè gen moun qui dit président Aristide li gen coronavirus. M'pa ou moun ki dit ça. Donc moun ki mande par exemple pour Gary mande excuse, m'pa pour que ça Gary a mande excuse. Gary pas jamais dit j'avais Aristide gen coronavirus. Gary dit que Aristide aurait contracté le coronavirus. Mais est-ce que pas malade? Oui, il est malade.
Est-ce que Jean-Baptiste Aristide pas gagne un passeport diplomatique? Je dis à m'a pas dans poche li, il dans poche on dit. Est-ce qu'il pas gagne dans poche li? Oui, il gagne une dans poche li. Maintenant, et moun le ka fait débat. Par exemple, tout le monde a dit et tout citoyen gagne droit à un passeport. Et comme ancien président, Jean-Baptiste Aristide gagne droit à un passeport diplomatique. Mais sauf que Jean-Baptiste Aristide te gagne interdiction de départ. Jovenel Moïse, comme nous dit monsieur dictateur, donc monsieur violé la loi pour qu'a sauver la vie leader la balassa. Il va violer la loi. Bon, cap bon dit bombe de coudé. Bon, ouais, pendant dit violer la loi, bon balle bon quatre figures. En comme si on est PHTK, t'as une interdiction de départ. Suivi, pas ça? Et bien, bah, comme c'est le gouvernement, bien juge qui mettait, oui. Là où il y a une interdiction, son décision de justice, et puis qu'on a président Jovenel Moïse, t'as fait par exemple Laurent Lamotte ou bien Matéli, jouer un passeport pour ne pas quitter le pays. Ça, tout le monde a dit. Monsieur violé la loi pour faire voler par Elio, allez! Mais d'aller, va pas oublier, non? Monsieur passé outre de décision de justice. Je dis, alors, une dépression est sacrée au mété. Yo baï président Aristide, on passeport humanitaire. Ouais, humanitaire. Donc, humanitaire, humanitaire là, aller au-delà de. Oui, il s'agit de la vie. Il s'agit de la vie. Mais en tout cas, quand même, comme dictateur, Jovenel Moïse, il n'est pas trop mal. Parce que si on est dictateur, c'est ce qui fait problème. Oui, si on est dictateur, ou est adversaire politique, lui, ou est adversaire politique, lui choisit quand même violer la loi pour gagner la vie. Donc, nous sommes un bon dictateur. Et c'est la liberté. Bon, oui, parce qu'on est un dictateur lié. Si on est adversaire politique, mon cher, il t'a remis le chaos de préférence. Ou bien, il devait t'a quitté sa arrivée après ça pour lui dire que mon cher Mbagé m'a fait café parce que monsieur Gagné a été interdiction de départ. Gouverne, mais président, c'est président ici, quand même, interdiction de départ ou pas, monsieur Gagné a un passeport dans la poche. Li. Maintenant, moi, je pense qu'on est à fond une piste sérieux par rapport avec les gens de questions. Je ne sais pas quoi dire ça, tu as doué Kembe. Actualité a pour ça nous vient là comme problème. Ça c'est sûr. Parce que je veux dire nous avons plus de problème. Monsieur grand pile tiré là où la boule 12. Grand pile tiré la boule 12. Et puis zone frontale encore une fois. Grand pile tiré la boule 12. Ça vient courir sous Delma. Exactement. Hier soir dans votre ville là dans des cartouches fraîches. Mais sous Juvenal. Tout le monde a couru. Va monter, il était bloqué là. C'est la police qui vient débloquer sous Juvenal. Donc autre chose, enfin ma grosse précision de débat, c'est que il y a le monde qui en fait t'a expliqué que barbecue, bah, conférence de presse, etc. Moi, je vais pour mon suivre. Son petit précision. Hein. Dans ce groupe FM, depuis l'homme vivait dans la radio, hein, pendant plusieurs années, moi, je joins Gary Pierre-Paul Charles, président mon jeune dans l'émission ZAR. Je ne peux jamais d'écouter nous recevoir un monde, soit qui gagne statut chef de gang, dans l'émission ZAR ici, hein, pour nous bailler au palais. Donc, c'est dans la politique radio, elle par entrer là-dedans. Maintenant, ou même en tant qu'auditeur, en tant que monde qui a suivi débat ou Haïti débat, ou Gengwa, ou même fait commenter pas sous question chef de gang, ou Gengwa fait des analyses, mais nous pas placé pour nous faire promotion pour nous. Donc maintenant, nous pas encore obligé forcément pour nous parler de nous non plus, parce que nous pas là pour nous faire promotion pour nous. Nous avons l'autre bagaille pour nous parler de nous. Ou comment nous avons fait ça? Maintenant, si nous choisissons nous-mêmes, nous avons fait analyse, et ouvrez. C'est de ça pour nous parler, nous pensons qu'il y a un problème. Parce que premièrement, l'on besoin tant des chefs de gang qui a dit combien d'amis ou gagnent, parce que c'est sous coup ou tant d'il. Parce que c'est dans Haïti débat, autant de l'autre côté. Donc nous reconnaissons que paysan, un ensemble de chefs de gang, mais nous pas rentrer dans la politique, bah, parler, venir exhiber, venir dire ça y a fait, reprendre, venir dire si par exemple tu as fait kidnapping, c'est pas dans ce coup ou tant d'il. Donc maintenant, nous reconnaissons que un ensemble de belligérants qui ont même a fait des déclarations dans le pays hein, qui dit c'est au cap commandé dans série de zones et nous disent nous même dans ce coup c'est parce que l'État a démissionné côté la police nationale
qu'est-ce qu'on dit nous de l'armée côté yo il y a un ensemble de autorités qui là pour ça pour gérer question sécurité dans pays mais pas forcément comme si m'ta dit pour n'a bay nouvelle pour venir dire ça au chef gang ou bien nous yo met accusation chef gang sous d'autre dit même pas on t'a dit que toi pas bon Dieu ou dit côté hein on a dit que toi pas bon Dieu pas bon Dieu ou dit que la police nationale. Non, on bégaye la police nationale. Qui la police nationale pas comme ça. Pas la police. Après Dieu, fonda dit qu'on après Dieu. C'est pas bon Dieu. C'est pas bon Dieu qui t'est comme. Pas bon Dieu. Pas bon Dieu ou bien américain. Qui t'est comme ça pour nous? Mais les gars, je vais faire pour nous. Hein? Non mais la police ou pas bien gaffe non. Bon, mais c'est qui là? C'est la police. Si on bat la police moi. Ah, nous deux trois ans après ça. Moi, j'ai acheté 15 blindés, bail la police. Importance internationale là, que ce soit force étrangère, n'a pas demandé concours, pas de problème. Mais, pas qu'un l'État ou qu'une autre société qui est intervenu, résoudre tout problème ou rien. Sinon, automatiquement, on finit résoudre, il finit résoudre pour tout problème ou rien. Mon cher, si ce n'est pas cas pas nous, si ce n'est pas Mounia ou qui est de nous, nous ne pouvons pas faire. Ici, si ce n'est pas de nous, pas de quel nègre calme la paix grave. Et menti. Mon cher, nous mettons dit tout ça nous voulons. La police pas calme la paix grave, il n'est pas vrai. Nous respectons ça. De moyens techniques, la police pas calme. Nous respectons ça. Volonté politique. Même quand on signe volonté politique. Volonté politique. La ça qui a passé la politique, seulement. La politique seulement. Mais une ça politique, je pense que ça, le primordial, ça qui a passé, parce que je me rends compte que le problème de est là, si les politiques sont photo, on met tout dedans, je dis, les politiques contribuent à sa nier. Et penser aux volonté politique de la part de nos acteurs et qui pral courir avec société civile, nous croyons que grand pile bagaille nous a fait. Mon papa dit que nous avons résolu à 100% le problème de sécurité. Hein? Non, mais ça. Volonté politique. Regardez, mais vous regardez, ouais, Sordia, Sordia est le Kamaché. Parce que tout le monde nous dit là, c'est lui qui fait de l'insécurité. Parce que ça, vous comprenez, c'est que qui est le monde qui fait de l'insécurité? Acteurs économiques, qui est-ce qui fait une sécurité? Acteurs politiques, c'est eux-mêmes qui ont fonctionné avec monsieur qui a des armes. C'est eux-mêmes qui ont des armes, c'est eux-mêmes qui ont des munitions. Donc, on a nous qui avons le problème, non? L'un nous dit que, par exemple, on nous suspend des armes, on nous aide à vivre tant que nous, de préférence, au lieu des armes, nous on nous aide à avoir un logement décent, ok? Et nous appelons un tweet régional Boulos. Qui parle d'une société socialement juste, économiquement. Comment société. Une société, oui. Il m'a dit, il a dit le secteur pour revenir avec lui, pour. Où est-ce que j'ai dit là, pour lui. Ok. Réginald Boulos, il m'a dit pour une société équitablement juste, socialement juste, équitablement économique. Ok. Vous comprenez. Donc, ça. Donc, on est à ça, dit. Ouais, vous lancez pas de problème, non. Vous lancez pas de problème, non. Vous lancez pas de problème, non. Et pas depuis des besoins pour voir ici. Eh, eh. Vous dites tout le monde. Allez, va me changer, Il a différents tweets. Chéri, bon, regardez moi. Bon, je cherche pour nous. Je suis d'accord que mon plan, licencié à la mode, bon, je cherche un tweet. Utilisé dans plusieurs domaines. Ouais, là, mon ami, là, moi aussi, car, ouais, bon, mettez-la. Ami, associé, compétiteur du secteur des affaires, votre silence face aux événements douloureux de ces derniers jours est coupable. Votre apathie est suicidaire. Réveillez-vous. Le temps est à l'engagement pour une Haïti socialement équitable et économiquement juste. Le temps est à l'engagement pour une Haïti socialement équitable et économiquement juste. Réginald Boulos, vous avez écrit non d'elle. Réginald Boulos qui dit ça même.
Soit du mal ou pas, le voilà l'État. Non, homme, c'était ça. Hein. Une société. Une Haïti socialement équitable et économiquement juste. Bien, ça, oui. Non, mais son souhait, c'est-à-dire, son citoyen, il y a un boule 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 pour souhait. Il souhaitait ça. Oh, mais ça, il m'a dit, il dit, une société socialement équitable et économiquement juste. Une société socialement équitable et économiquement juste. Moi, je n'ai pas de problème à ça, son souhait. Je dis à la, et je souhaite à Haïti venir en grand pays. Qui veut être dépassé socialement équitable. Non, bon, En Haïti, il y a un livre qui parle un livre. Il faut quitter le livre là pour aller chercher. Et qui monde qui a accès à l'exam dans le pays? C'est politiciens et businessmen surtout qui ont importé, c'est monde ça. Maintenant, nous ensemble de Haïtiens pas gagné pour avec phénomène gang. Si nous regardons, question gang qui a fait la loi, des choux qui a fait dans le pays. Mais qui monde qui est responsable? Ou qui a commencé à fixer? Dans le Sénat, c'est un homme qui t'a dit que tu es dans la mission pour créer G9. Donc, on va dire que nous avons responsable. La fédération, c'est un homme qui est parti pour une autre. Donc, les partis pour une autre. L'État haïtien est parti pour une autre. Et là, vous voyez qu'il a. Depuis avant commission monté, me croisé ma Sénat. Dans Sénat. Nos restaurants, quand on est dans la bouillon ensemble, c'est fait vivre bouillon. C'est du mouchard à pouvoir aider parce qu'il parle de la commission là. C'est vrai, pour être fédération. Attendez, ça va me dire bien. Depuis avant, il était monté commission. Comme si on était venu à la commission encore. Monsieur, il n'y a pas de commission sur désarmement. Pour mes délits, vous comprenez, pour travailler commission, qui a fait bien, pour parler à peuple, la gamme, dit monsieur Bomdou, comme si, si monsieur Sayo qui est en bas, qui a des âmes dans mes yeux, et des âmes qui font manger, et des âmes qui font café, qui ont des copes dans mes yeux, et des âmes qui font toutes sortes de choses, ou pensez à privé ou à bas, ou à bas, ou à bas, il y a trois âmes qui ont des âmes, ou à bas, 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 seul bâton ça les bagayé. Donc faut nous couper pour nous changer ça, pour nous vivre dans bas. Ouais, je dis ma précis dit ça. Pour nous vivre dans bas tirégia, mais c'est pas moi mais tirégia là net. Comprenez? Une société socialement équitable. Ouais, pour nous vivre là. Là, c'est ça belle avenir. Haïti socialement équitable. Mon cher ami, son souhait qui était de la faire ça. Ah, mon cher. Moi même non, pour là, de flexibilité comme ça. Qui ça vient socialement. Ça et moi quand pas n'avo pour qui fait soya. Parce que moi avoir campagne pour qui fait soya. Non mais ça c'est pas elle là. Non, lui même pour il met là pour l'exécuter.
oublier que pour l'exécuter, il a de grands projets. Oh, mais il a de grands projets. Ça voilà, a été pour ce qui était évidemment juste. Et dans tout ça, c'est un bon jour au pouvoir, monsieur. Ça, non, oui. Talent, ça arrive. Mais là, on va ouvrir au pouvoir. Il va pas l'exécuter, peut-être là. Ça arrive que, bon, bah, tu sur ça. Ça arrive que, libre conscience que société 1 a passé ni au ni bas économiquement. Oui. Mais par exemple, même lui-même, quand il est comme pour contre l'IOP de l'ONA, il va pas t'aider là. Il va pas t'aider là. Il va pas t'aider là. Vous voulez dire, quand il va vous voir là, il va pas t'aider là. Partager avec notre businessman, c'est pas le même seul guillet. Et économiquement, c'est le même seul guillet. On a partagé, on a préféré un peu de la compte. Même souhaiter au Haïti socialement équitable, économiquement juste. Ça tout pour la bien jouer. Pour vouloir là au nord pété. Si bon Dieu vient des prières à viser, nous d'abord. Hein? Si bon Dieu vient des prières à viser. Bon Dieu vient des prières. Il doit Il va exécuter. Il a fait prier de bonne foi. On va besoin de garder. Oui, oui. Il a pesé son téléphone. Comment ça se fait? Forcément, il faut. Tout est bonne foi. Et donc, bravo docteur, partagez, il faut partager. Bon, en tout cas, monsieur, il y a une opération qui a fait dans la boule 12. Actuellement là. Et oui, depuis le matin. Parce que moi, pile machine police dans la zone. Et scoopé la gomba est à l'heure. Ok. La gomba est à l'heure. Donc, tellement de échange entre la police et bandits. Bandits ont les courri. Ils ont quitté machine, ils ont quitté bahaï, vous comprenez? Okay. Donc la police a gardé pour loin. Si nous ne pouvons pas perdre la boule là tout. Par exemple, nous avons perdu Fontamara. Nous avons regardé Bolos dans la télévision, monsieur. Nous avons regardé Bolos Fontamara. Nous avons regardé Fontamara. Fontamara, c'est une plus grosse construction. Ça veut dire que lorsque vous avez parlé de la zone, est-ce qu'on a créé une économie à beaucoup? Oui, certainement. Parce que des gens qui construisent, c'est des gros cailles, ils sont à l'étranger, construit caillou. Imagine, on est à l'étranger, ils travaillent pendant 20 ans, 25 ans. Et pas de corruption, ils font caille, ils font d'amara. Et puis, ils sont là. Et puis, ils sont assis en Haïti, même si ils font d'amara, ils sont là. Ils font d'amara. Ils sont là. 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 Ils sont là.